J'ai 22 ans, 1976. Il est 10 heures du matin à Kampala, la capitale d'un pays surnommé The Pearl of Africa par Winston Churchill. Le choc de l'information. Première page. The Voice of Uganda. Une photo, une grande photo. Monsieur Erinayo Wilson Oryema, ministre des ressources naturelles et l'eau. Il est mort. Je suis tétanisé. En fait, c'est un assassinat déguisé en accident de voiture. C'est horrible pour un jeune qui vivait une vie normale. On ne choisit pas sa famille, mais dans une famille aisée en Ouganda. Sa vie, maintenant, va basculer. Il doit penser à un statut d'émigrant. Ma vie a basculé il y a 40 ans. Ce jour-là, j'ai pris une décision. J'avais pas le choix. Il fallait partir. Partir vite. Car une partie de ma famille était déjà en résidence surveillée par les forces spéciales. Opération Commando est en marche. Il faut partir vite, 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 vite. On a trouvé un véhicule avec un chauffeur. Le coffre de la voiture, je rentre dans cette coffre de voiture. Et nous voilà partis pour le Kenya. Your mama,
You're a marmary one, you're a necko one. A chili dunko, yiddy, get a money, necko one. A chili dunko, yiddy, get a money. Arrivé au poste, le checkpoint, à la frontière avec le Kenya. J'entends des pas des soldats. Il y en a un parmi eux qui parle en swahili, qui dit Kitugani hiko kwabut, autrement dit, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Le battement de mon cœur. Je suis mort pour une énième fois. Je n'ai jamais eu peur de ma vie. En 15 secondes, j'étais mort. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai prié tous les dieux, dieux de la montagne, dieu de la rivière, le dieu de tous les dieux. Et même le destin a parlé. Il a décidé ainsi que sept coffres restent fermés. Parce que sinon, adieu mon pays, adieu maman, adieu papa, tout le monde descend. Mais le destin a décidé autrement. Arrivé sur Paris, après 2 mois passés au Nairobi, fallait attendre
les papiers nécessaires. Paris, la capitale de la mode, la capitale de la gastronomie. Merci la France. Pays de terre d'asile. Pays de la culture. Je voulais apprendre la langue de Molière. C'est difficile pour les gens qui viennent de pays anglophones. Il a mal. Yamoman Kodivia Mwedatore Kodivia Kodivia Lutwa Way Benakara Beno Beno Benakara Way. Foyer son accotre. Le rencontre avec d'autres réfugiés politiques. Il y en a ceux qui venaient du Chili, Argentina, Haïti, Espagne. Les journées étaient longues. Les journées étaient longues, tellement nostalgie du pays. Les journées, la vie n'a plus de sens. L'espoir n'existe même pas pour demain. Des activités sportives et surtout le
cours de français. On apprend le français avec le texte de Claude Nougaro. Je me souviens très bien, j'ai entendu dire le mot bidonville. Je ne savais pas qu'est-ce que ça veut dire, bidonville. Donc je cherche dans le dictionnaire, shanty town. Mais de le mettre dans un contexte pour une conversation ou pour chanter, c'était difficile, difficile. Et les deux mots les plus difficiles pour moi, on a cherché tous les dictionnaires sur Terre. Il fallait utiliser quoique. Quoique. Oh là là. Si on m'avait dit il y a 40 ans que il y aura un bâtiment qui portera mon nom aujourd'hui, j'aurais pas cru une seconde. Eh bien, c'est arrivé. Le 10 mars 2017, le centre, l'espace Jeffrey Rogema. Géré par l'association Hôtel 93. Je suis allé inaugurer cet espace. C'était suite aux événements de Stalingrad, Jaurès, des campements. Il fallait trouver vite espace pour 90 personnes. Et toutes ces personnes, ils me ressemblent tous parce que je suis passé par là. Parfois, j'ai marché la tête basse pour chercher un franc ou deux. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous êtes, je suis, nous sommes tous des migrants. Ça dépend.
cœur ensemble. Nos générosités ensemble. Pour leur donner un petit quelque chose. Ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos oreilles. Se laisser ébloui par les infos, les fausses infos. Merci. Thank you very much.